Monsieur le Préfet, donc on s'est réunis au foyer de 24 le 18 mai dernier. On avait commencé la réunion, on avait commencé à aborder les trois points du projet, à savoir on a abordé déjà le point numéro 1, c'était le ponton. Le point numéro 2, on était en cours, c'était bien sûr la démolition et la reconstruction. Le point numéro 3 auquel on n'a pas pu commencer à débattre, c'est le point agricole. Tout ce qui est volet agricole. Donc, monsieur le préfet, il y a une forte inquiétude de la part des mamans qui sont là, des agriculteurs, parce que eux, ils disent que je vais se lever avant du rideau et qu'on va les chasser d'un jour à l'autre, on va les chasser de l'huile. On va les interdire de planter des bananiers de manioc. Et donc, on les interdit de cultiver en hauteur, etc., etc. Donc, du coup, les mamans sont très inquiets par rapport à cela. Donc, ce sont les idées qui circulent en tout cas. Donc, le 12 juin dernier, j'ai fait une réunion avec eux dans l'après-midi et j'ai pris un engagement devant eux. Ce qui m'a amené à intervenir auprès de Maïk Lafrenière. Après, derrière, vous avez reçu mon courrier. Le courrier qu'on a publié sur la page de la mairie, mais aussi sur ma page. Après, derrière, vous m'avez répondu. Le courrier également figure dans la page de la mairie et la page, ma page personnelle. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de montrer tout simplement que, au contraire, les agriculteurs ne sont pas menacés, l'agriculture n'est pas menacée, mais au contraire, on est en train de travailler ensemble pour préserver ce joyau que tout le monde est d'accord de dire que c'est un joyau. Donc aujourd'hui, c'est d'apaiser les tensions et faire en sorte de créer une synergie, faire en sorte que ce projet puisse avoir le jour, parce que c'est un projet qui est très beau et qui est très ambitieux, mais aussi qui fait que l'agriculteur est au centre de ce projet. Wame Mwamba, si nous avons un bakari, on a un maza, et a dit si, Banda Mahadis, il a dit si, Manapolena, Voleta, Voleanda, les Ponto, il a dit si, Voleavini, il y a Mabanga, le Kariwan, il a dit si, le Karaimalita. Donc, Voleara, le Kaparata, il a dit si, soit le Kaja, le Kaja, il y a Patana, le Jima. Donc, c'est le Wamba, Wanyu. Nous serons en bas, nous sommes là au juge siwa. Nous sommes là en bas, au juge siwa. Après, Mushanga, Mana, Léo, nous sommes en bas, Mastar, Narindi, au Moko, au Joja. Donc, pour Wami Tsengi, Tchatan Tsnangwa, Mobilia, le terrain de l'évêque, Tsengi, un gars, ma belle-sang. Si moi, Ben, en bas, nous sommes obligés à l'image de l'Ogama Katsa à Yima. Tu sais dire, tu sais dire, na barbaro da les studios har ma page na page la mi préfet anjou har ma tin na réponse sur par har ma page zombi do anjou par rapport na ngima par rapport na jam donc b wakati lo kamba tsahari fari solution a sa ne pare na jabu wa kene préfet aja akuja ja jibu na kakila tin le har ma i vule ni mayo wa ima tatu wa jabu muna on pose un classe à la lettre 17, préfère sur le type. N'a qu'à qui lâche le camba quand nous soutenons des tunis au jatou, il au camba, il a discarté à Taramola avant, le chinois il parle de Martin, Michel Otanda, à tes cambayani, lave harmoise, Tarad, les guerres à moi, tu veux Ramola avant, il a discarté pour ton rat. Manal au casse-ouïe, mon nom va régister dans la caméra, on va sortir sur l'unga, la stasse jara, ringa caméra. En bas, on va voir déjà, devant son Guadalao, les cabarets là, devant Paul Salama, on va voir les chinois par là, on va voir les chambres, on va voir les chambres.
Salam alaikum. Merci monsieur le maire de votre invitation. Je suis très heureux de revenir aujourd'hui à M100 Moreau. Quand je suis parti le 18 mai, nous avons dit ensemble qu'après cette réunion qu'on avait interrompue, le dialogue allait se poursuivre. Je reviendrai et je suis revenu aujourd'hui parce qu'on s'était engagé à poursuivre le dialogue. Ceux qui suivent savent que chaque fois que j'ai dit que je viendrai à M100 Moreau, je suis venu et j'ai déjà vu plusieurs d'entre vous dans cette salle ou dans d'autres endroits de M100 Moreau où nous étions ensemble avec monsieur le maire. Les engagements de dialogue et de concertation que j'ai pris ce jour-là, le 18 mai, je ne les prends pas seul. Je les prends avec le maire. On est ensemble et on travaille depuis le début ensemble pour apporter des réponses aux habitants de M100 Moreau. Et la lettre de monsieur le maire à laquelle j'ai répondu, je la fais mienne dans ma réponse. Et si vous lisez les deux, vous voyez que nous sommes ensemble. Et donc aujourd'hui, je suis venu avec monsieur le maire pour poursuivre ce dialogue. Le projet sur l'île de Samboro, c'est un projet important pour nous. C'est un projet important pour nous. C'est un projet comme on n'en voit pas beaucoup à Mayotte. On a des projets où on démolit de l'habitat illégal, mais parfois on fait que ça, pas de Samboro. C'est aussi un projet de reconstruction. On en a d'autres à Mayotte. Et là, on a ce côté-là. C'est un projet qui défend l'agriculture. On a aussi des projets d'installation agricole à Mayotte, comme à Bandrélé ou dans d'autres endroits. Mais l'île M100 Moreau, c'est le seul endroit où on fait la démolition de l'habitat illégal, la reconstruction du Tobé et la valorisation de l'agriculture. Et l'îlot de Samboro, ce projet de l'îlot de Samboro, c'est aussi un projet de reconquête du territoire de Mayotte par les Maoris. On le sait qu'on a des territoires qui sont aujourd'hui utilisés par l'immigration clandestine. Et tout le monde nous dit que l'îlot de Samboro, c'est une porte d'entrée dans Mayotte. Avec le projet, on rend l'îlot aux habitants de M100 Moreau et aux Maoris, et on lutte contre l'immigration illégale. Et c'est parce qu'on a tout ça que ce projet, c'est un projet inédit, nouveau, particulier. C'est le seul comme ça à Mayotte. On veut le réussir, et on veut le réussir avec vous. Et c'est pour ça qu'on revient aujourd'hui pour vous en parler. Donc, à l'étudier associé à M100 Moreau, le projet, il n'en a pas nous ça.
what to on est en bon na il est projet il y a du il y a fait la soifie en bas ou en ligne nous pas avoir trop de petits babou parler ou accompagner par ami on va pas tout qui ou on est sans zazao ou accompagner sans zazao pour voilà décider. Le petit projet où la salle est à Pierre Yuma Olevan, en bas, c'est gagnant. Et après, c'est un projet qui n'a pas vu. Le temps maintenant, il n'a pas vu le travail, 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 il n'a pas vu le travail. Aujourd'hui, ce projet qui est engagé, on met de l'argent pour la démolition. On met de l'argent pour la reconstruction. Quand je suis venu le 18 mai, j'ai remis au maire le courrier d'engagement de l'État pour reconstruire le tombé. Et ensuite, avec le concours du conseil départemental, on met de l'argent pour l'agriculture, la poursuite de l'agriculture et la valorisation de l'agriculture. Et donc aujourd'hui, on s'engage à faire quelque chose de durable pour que l'agriculture se poursuive sur l'îlot de Sandboro, parce que c'est l'objectif que nous avons aujourd'hui, permettre aux agriculteurs de continuer à cultiver dans un environnement qui soit préservé et qui facilite l'agriculture. Voilà, on va regarder quelques images et la poursuite, si vous voulez, du projet, et puis après on pourra poursuivre ce dialogue ensemble. Avec la croix rouge, ce qu'on ne veut pas faire, arracher les cultures, non. Mener le projet sans parler avec vous, sans concertation, non. Arrêter la culture de la banane, non. Mettre en place un complexe hôtelier, non. C'est pas dans le projet, il n'y aura pas de complexe hôtelier. Expulser les agriculteurs et les privés de l'îlot, non. Privatiser les plages, non. Laisser les agriculteurs tout seuls, non. Avec le conseil départemental, l'objectif c'est de soutenir l'agriculture et d'accompagner les agriculteurs. Et être tout seul porteur du projet, l'État, non. C'est l'État, la ville de Sandboro, l'ADNIM, les habitants et les agriculteurs. Ça, on n'en veut pas. Ça n'est pas dans le projet. Et on s'engage à ce que ça ne soit pas dans le projet. Et si on vous dit, on va arracher les cultures, on va mettre fin à la banane, on va expulser les agriculteurs, ou on va privatiser les plages, ça n'est pas vrai. Salam alaikum. Par rapport à ce que vous avez dit, vous avez dit, il y a un peu de choses qui sont bloquées.
Kaitoki, les affaires ici, 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 les Ça fait qu'on a d'accord, mais je trouve que y a Vili, il y a une capture de l'Indouachi, tout ce qui est en train de se faire. On a dit qu'il y a une conceptation, une manière, parce que tout le monde a fait qu'il y a un groupe, il y a un chien, il y a un chien. Il y a la roue, il y a un groupe, il y a un groupe, il y a Marindi, il y a un groupe, 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 Il y a notre son membre à côté, Missazin des Awawi, quand les questions de police Willy à Kurumulichia, Wao, Kawasi, Monina, Nizer, Yosofania, Oteli, Monina, Yishiswan. Il y a un Missi, Wazo, Yinzi, Washiswan. Il y a des questions à Kurumulichia, Wazo, Mamba, Wao, Katasumuja, Wazo, Yinzeru, Limizi, Monina, Yishiswan. Il y a une privatisation des plages qui est en train de se faire. Il y a une privatisation des plages qui est en train de se faire. Il y a une privatisation des plages qui est en train de se faire. Ensuite, il y a une promotion hôtelière de la promotion de la promotion de Absence d'accompagnement des agriculteurs ou à l'immise 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 ou un projet porté uniquement par l'État. Ou à l'immise ou à l'immise ou à l'immise ou Ce que nous voulons, c'est que l'îlot soit protégé et ne soit plus envahi par ceux qui ne doivent pas y venir. Nous voulons accompagner les agriculteurs pour reprendre la culture de l'orange et que ça dure longtemps et que ça produise du revenu pour les agriculteurs. Ce que nous voulons, c'est reconstruire un tobé traditionnel pour ceux qui avaient une construction liée à l'agriculture, ceux qui avaient une construction en 2019, reconstruire le tobé traditionnel, avoir un projet exemplaire, qu'on puisse regarder de tout Mayotte en disant voilà comment Mayotte doit être aménagée. Ce que nous voulons, c'est que l'agriculture soit le centre et le cœur de l'île comme elle l'a toujours été. Nous voulons que s'il y a un tourisme, ça soit un tourisme basé sur l'agriculture, avec juste un sentier et des forêts. Nous voulons retrouver une forêt et planter des arbres. Et nous voulons que sur l'îlot, on ait le respect de la loi pour les Mahorais et pas un lieu d'accueil des immigrés clandestins. Donc, on va savoir que les choses sont en train de se faire. Ensuite, on va savoir que les choses sont en train de se faire.
walimizwa lusiwani wa pale misada yani wa pale misada rangu kwa kwa kile dawla ata au ni kwa conseil général wa shiro pale misada ibalishi ni mazao siwani isiwai lazimu ke na vanyo maana ni kali huu watu kusipara misada watu stop marunda ya spadona au wengi kwa hushi siwa ispara yani ispara value ya hili la kanayo hali ambayo na mambo ya wazi tobe kwa tobe za tobe ndiriwe jifanilwe hau yani hau zamani yani kalite ya kash ya zamani na mdele tobe jirekewe jifanilwe kalite ya kaa hali kwa tobe za suani ikiampa yu proje wanadamu pia wayonelumi yani exemplary en termes d'aménagement yani ilegele tewe hanamna amba wakazi yani watu pia waone huyu mbona isiwa kalite ya ya regretiche. Après le retour sur les études d'origine, il y a ni watu wa legeze siwa wa limezi limeza hali kapte zaka atashi siwa ibarikishe kapte ya kalazimu ibarikishe. Après asurongwa raha basu menza isiwa haswa uya zitu stotadulu hao ikiamba ibesura ata wajeni yani wajamba wajuvisteshu mamaore kwa kinabuba wande wanavisite parapo na kalite ito regrezo wa utabu apre na wananze ambato tupara nze wa vile wafanyi wahe wangale waone shisiwa kalite ya ya ilio. Apre sutu kwenye ambisa respect de l'état de droit sur l'ilo yani de ukamba shisiwa ilazimu ike shisiwa kalite ya kahali amba wakazi kwa suspara au nafasi kwa hivyo wasikia mbavale ile wa jenuaru kutuwa jaza hule ata wakazi wa suulula paraponu na tanguziliwa suhiliwa na mashaka na jenu nukua tuleta shudo isu yani wa jenuale kati wa njoha wengi wa su pari nafasi wa nja ata wa njoha wengi kwa proje yusi wa leo isifanila wala wakazi kawa kawa chini kwa tawashi wa kwa kwa kufanya tu wala kapsi kwa tisi wa kutu kwa hiwa nukwa hiyo na ipujeni na hali za adinyedemu yusha meyuka mba ina mamamuru wa hii shirina raru shingineo wakulimu mbao kwa tuduka mba wanami ngahule wanama bangahule wana maisha ya duka wa Yesu. Ranguma tsingi na kuna saba, walimizi, wamuni na kuhi. Kwa hivyo, wasi maafibili na kuminasta, wamiya tina la prezida wa Shama na wakati. Mbuno mbani wa machanga sabali watu adisa wa conservatoire littoral wa sunwa chumba ifanye mtwala siwani au jua zikiru alafu haro mtwala tuwe mpango yokamba utatonga watu wa tei siwa wa march dokula na babo rijibu kama jumbe nyingi nyingi ya jibu wasi serikali renge wasi shama ya dene mwurimige mkwagwe mpango mili diagnostiki ya moja mpefali prekulizasyo ya hasufash tuzo karazirenga wani wasi wasi de wasi mwure itongo yonguro ambato mbisiwa tidena mwureo zotongo zirangatiwa kazi anunganzia narikana magunjilio ya kalani rako mkarengeyo wabushi wakashaba wakuna nana wakazuru hadisi na limizi siwani na marabi wauna nana walimizi wa mafoto ulelega wakati ya wamezi jomu wana wale alii fotozo mikasuru mbatu ya wakitichari unutamata wa proje mkarengeyo wana mchi wa shikaburwana mjuru wa kamadini Aruna, kafanya stage mwondoga.
Je vais juste dire vraiment quelques mots parce que beaucoup de choses ont déjà été dites par monsieur le maire, par monsieur le préfet, par monsieur le président de la DGNM. Vous êtes effectivement dans ce projet, le but c'est bien sûr de préserver un îlot, mais de préserver des activités agricoles qui ont lieu sur cet îlot depuis très longtemps, préserver ce qui fait l'identité de cet îlot, en particulier les cultures d'orange, les cultures fruitières. Et pour ça, on va avoir un peu de. Deux actions. La première, c'est de mettre en place des conventions d'occupation temporaire pour les activités agricoles. Je pense qu'on va y revenir dans les discussions. Et ça va être le cadre administratif, un peu le contrat entre le propriétaire, le conservatoire du littoral, le gestionnaire, la commune, l'association, la DNM et les exploitants agricoles. Donc, ces conventions d'occupation. La deuxième, et ça permettra d'ouvrir des droits, des possibilités d'aide, d'avoir ces conventions d'occupation pour les exploitants. Et la deuxième chose, c'est la question effectivement des constructions. Bien sûr, le principe qu'il y ait des constructions liées à l'activité agricole, indispensable à l'activité agricole, ce principe-là, il n'est pas remis en cause. Voilà, ça ne pouvait pas se faire tel que c'était, tel que ça avait dérivé pour les derniers mois, les deux dernières années en particulier. Mais ce n'est pas un principe qui est remis en cause. Et donc là, à travers le travail que va mener la commune, on va avoir une reconstruction effectivement de cette OB traditionnelle,
encore une fois, lié au service de l'activité agricole et non pas au service d'un projet touristique, hôtelier ou autre. C'est absolument pas le but. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à DNM pour la commune pour développer ces deux points-là, mais ouais, c'est pour rassurer sur le fait que la position du Conservatoire du littoral est tout à fait en phase avec tout ce qui vient d'être dit précédemment sur ces deux points. Donc, je suis un ami Nesson, allé Kawasin, toi, tu es Simaneo, à tout Fabizdua, Fanichitou, tout l'amener. Excusez-moi, s'il vous plaît, je reviens sur le théâtre suivant, à votre précédent. Donc, il dit théâtre de l'Ophanam, là, quoi qu'il aime toujours, comme ça. Je voudrais revenir un petit peu sur la question des conventions d'occupation, conventions d'occupation agricole. C'est un système qui existe déjà sur d'autres terrains ici à Mayotte, hein, sur petites terres, ensuite accès à ces dispositifs. On pourra peut-être revenir s'il y a des questions après, bien sûr, avec moi, avec le DNM, avec l'entrepreneur de la DAF ici, sur ces questions aussi bien de cahier des charges que d'aide agricole. Convention et à Massita, à peu près. Puis au Fito, quand on a un élasime, tout aligné, à l'évoi à Chanzer et Siwaloulet,
Asili daba ba madawa kwa yule mkataba usimamio wa paromsa desika yuo. Donc kwa kila mshaba huko ndo mtu atenza asinye mkataba huo na asita deyo kama asita yo ile gizo masita ile masita ata itsonga mbele mtu atoka nao ashine apale zilisa deye ndo mulo vanya kufumba alifu kwa vinya na kuna tango ya ilo harwamwa imhimu hiyo mana watu waliona zilime nyingi tube imhimu hiyo nejitati watu watu wenza ambeni imirunga irege mana ndime ya irunga na tindi mfama tombo hali wa mkayo siwa nule sisasa muri mbuna uo vinga mrengenezio wai shanzeli ya tabu wa malira na nikama kwa tabu kwa tabu tindi leka shumu kwa wana mbakula mwa sita tindi lewa ushaba hana misata itogono kito rikon kwa venza ate mirunga hali wa mra na wakwa tukuna misata wakule zilea ya mirunga akumwete na raha na mateknisi wa sirkani ata yani mirunga ili balikishie hamra na haya mra na haya Sur le volet de la gouvernance du projet. D'abord, vous racontez, vous dire ce que l'on veut faire dans la reconstruction du Kobe traditionnel. C'est-à-dire essayer avec vous de reconstruire quelque chose d'exceptionnel, comme l'a expliqué M. Café et M. Le Maire, c'est-à-dire un Kobe unique sur l'île qui va essayer d'associer le passé et le présent, c'est-à-dire essayer de raconter l'histoire de l'îlot, comment on y vivait il y a des dizaines, il y a des vingtaines, il y a des trentaines d'années, et en même temps de le rendre capable et de le rendre utile pour continuer à développer l'activité agricole, c'est-à-dire que vous puissiez facilement y stocker les récoltes, y stocker le matériel, vous y reposer. C'est aussi ce projet-là, un travail entre le traditionnel et l'innovation. Mais ça, on le fera avec vous. C'est-à-dire que c'est à vous de nous dire, on a besoin de ça, on a besoin de tel type de matériaux, on voit plus les choses comme ça. Quand on dit le traditionnel, c'est-à-dire être sur les matériaux traditionnels, c'est-à-dire comme cela se faisait avant, avoir un impact qui s'intègre le mieux possible au niveau de l'îlot, au niveau du paysage, avec des matériaux qui seront des matériaux si possible naturels. Et puis en même temps, on va essayer de travailler sur l'innovation, c'est-à-dire sur l'énergie solaire, sur l'adduction d'eau, c'est-à-dire peut-être des récupérateurs d'eau pluie, pour essayer d'avoir aussi un minimum de confort. Et puis, il y a le volet agriculture tourisme. C'est-à-dire que rien n'interdit dans cet îlot, et c'est un peu l'objectif que l'on a, dans la réflexion qui est celle que vous avez depuis des années sur la gestion de cet îlot, rien n'interdit de se dire, mais tiens, pourquoi les agriculteurs qui ont de nouveau leur banga sur ce nouveau tobé ne pourraient pas aussi développer une activité agro-touristique ? C'est-à-dire être en mesure de pouvoir proposer, si demain on peut faire des camps avec les enfants, les amener en tente, bivouaquer sur l'îlot, si on développe effectivement, on continue de développer avec vous les usages touristiques, de proposer de la restauration légère, de proposer des activités nautiques, par exemple. On peut essayer d'imaginer cela dans le respect un petit peu de tout ce qu'on a dit précédemment. Mais voilà, et c'est un petit peu ça l'idée. Et si ce projet pilote qui est co-construit avec vous fonctionne,
eh bien, il sera peut-être plus facile derrière d'aller voir le conservatoire du littoral, d'aller voir l'État et de leur dire, bah là, on a des jeunes, ils ont un projet intéressant de base nautique. On n'en a pas sur le Tobé, par exemple, où on a envie de développer un peu d'activité commerciale. On a fait le Tobé, ça s'est bien réalisé, ça se gère correctement dans l'aspect de tout ce qu'on a dit, et tout le monde est satisfait de ce projet-là. Est-ce qu'on peut essayer, bah, sur un autre endroit de la plage, d'installer notre activité ? Nous attendons